Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille Métropole. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Evelyne Sélès. Alors, Evelyne, elle a un parcours particulièrement garni. Elle a été présentatrice d'un magazine sur Antenne 2. Elle est jurée au Festival de Cannes. Elle est critique de cinéma. Elle est également, elle anime une émission chez Fréquence, une émission radio chez Fréquence Protestante. Elle est également comédienne, elle est également chanteuse de jazz et de gospel. Et elle a vraiment beaucoup d'activités. Et j'ai été intéressé par son livre, dont le titre est Enquête critique. Ah non, non, non. Démocratie et langage totalitaire. Voilà. Le voici. Et dans la crise quatrième... sanitaire et dérive sémantique, c'est important, le sous-titre. Et la quatrième de couverture indique ce livre, enquête, critique ou pamphlet, qui révèle les failles d'une crise générée par un virus, analyse nos comportements fourvoyés par la peur, inféodés à une autorité qui balbutie. Bonjour Evelyne et merci de répondre à mes questions. Alors je ne suis pas jurée permanent au Festival de Cannes. Je l'ai été deux fois, en 93 et en 96. Bon, et ben c'était de l'histoire, mais peut-être que ce sera prémonitoire aussi. Alors vous avez écrit une douzaine de livres. Je ne vais pas tous les citer, mais pourquoi avez-vous envie d'écrire en 2021 « Démocratie et langage totalitaire, crise sanitaire et dérive sémantique » qui a été publié chez L'Harmattan ? Alors, jusqu'à présent, j'écrivais des romans ou des récits. J'ai écrit une pièce de théâtre que j'ai jouée en Avignon, des romans et des récits, et j'ai écrit trois bouquins sur l'Algérie puisque je suis pied-noir. J'en suis au 11e, là. Je suis en train de terminer le 11e. Et puis, au moment de la pandémie, et particulièrement du confinement, j'ai été vraiment frappée, quand je dis crise sanitaire et dérive sémantique, j'ai été frappée par le langage qu'on a employé pour manipuler les gens, pour les infantiliser. Ça a commencé petit à petit, et j'ai été frappée encore plus par le fait que les gens, l'instinct grégaire, les gens sont moutonniers. Quand on faisait des micro-crottoirs, si on disait il faut mettre le masque, il faut faire ceci, ah ben oui, s'il faut, on les a manipulés à partir du langage par la peur. Par la peur, on peut faire dire tout ce qu'on veut. Je vais vous donner plein de citations parce que je trouve ça intéressant. Alors, on a beaucoup parlé, et j'en parle beaucoup dans ce livre, de Orwell et Huxley. Parce que les parallèles sont faciles à Le prologue de votre livre commence par une situation de George Orwell dans 1984. En dehors du travail, tout serait interdit. Marcher dans les rues, se distraire, chanter, danser. Voilà. Alors, sommes-nous passés de la fiction à la réalité, donc de la fiction de ce que décrivait Orwell. Complètement. On n'a jamais vu, à ma connaissance, de le monde s'arrêter de tourner, en l'acceptant en plus. Le monde s'est arrêté de tourner, le monde, pas seulement la France. Tout le monde a arrêté. On se demande, alors je ne suis pas du tout complotiste, mais quelquefois on se dit, ça vient d'où cette idée? Alors je vais vous reciter Huxley, qui était quand même prémonitoire en 1961, c'est pas si loin. Il disait, je cite, « Il y aura dès la prochaine génération une méthode pharmaceutique pour faire aimer aux gens leur propre servitude et créer une dictature sans larmes, pour ainsi dire, en réalisant des camps de concentration sans douleur pour des sociétés entières, de sorte que les gens se verront privés de leur liberté, mais en ressentiront plutôt du plaisir. » Alors, on n'en ressentait pas du plaisir, bien entendu, mais c'est quand même très, très, très juste, parce que, comme je vous dis, les gens, il y avait cette acceptation de tout. Je crois qu'on aurait pu leur dire n'importe quoi, même encore maintenant. Les gens ont peur. Ils ont peur du virus. Alors, on voit bien que certains l'attrapent maintenant, et puis je crois qu'il y a une immunité collective, comme on dit, qui est en train de se faire. Mais je connais des gens qui, encore maintenant, ont peur. Et c'est fou. C'est d'autant insupportable que les mots ont été utilisés par les écrivains, par les poètes, pour raconter et faire rêver.
Et aujourd'hui, ces mêmes mots portés par les médias et mal relayés deviennent des moyens de manipulation. Absolument. Et alors, vous me demandez pourquoi j'ai écrit ça, j'ai été fascinée, dans le mauvais sens du terme, hein, fascinée par ce langage, cette langue de bois, ces mensonges. Il y a Hannah Arendt aussi qui dit, c'est son personnage Raël, c'est la vie d'une juive allemande à l'époque du romantisme. Elle dit, Raël dit qu'elle n'a plus qu'à se tenir immobile sans respirer. Respirer, alors le virus est respiratoire, hein, sans respirer, par peur de tout le monde vivant et du battement de son propre pouls. C'est exactement ça. On avait peur, les gens avaient peur de tout. De tout. Sans respirer, avec la muselière, on avait la muselière sur le nez. Et la muselière, c'est symptomatique, j'exagère peut-être, mais c'est aussi empêcher de parler. Ce qu'on a fait, empêcher de parler, on y reviendra peut-être, les livres, le théâtre, les machins, on a tout supprimé, tous les moyens de communication entre les gens. Est-ce qu'on peut dire que la pandémie de Covid a été utilisée de manière mondiale pour soumettre les populations? Je ne pense pas, je ne sais pas, on ne sait pas, mais je ne pense pas que c'était le but au départ. Mais je pense que petit à petit, on s'est peut-être aperçu que ça fonctionnait très bien et qu'on l'a peut-être utilisé. Cette langue, c'est tellement énorme. Il y a des contradictions incroyables. Des choses, on dit une chose, on dit le contraire le lendemain, etc. Donc, je pense que ça a été une opportunité. Et j'ai bien peur que ça se reproduise, parce que des virus, on va en avoir d'autres. Hein. Donc, et obliger les gens à se vacciner, c'est contraire aux droits de l'homme, c'est contraire au code de Nuremberg. Avec un vaccin, ça, on y reviendra peut-être aussi, dont on n'a pas aujourd'hui encore tous les secrets. On n'a rien d'ailleurs. Je vous disais hors antenne tout à l'heure que je constate qu'on ouvre une boîte noire maintenant. J'avais envie de dire la boîte de Pandore, mais on ouvre une boîte noire, c'est-à-dire qu'on a des tas de choses qui ressortent. Comme par exemple, en Italie, à New York, on rétablit redonne leur, je perds la boule moi. La Cour suprême de New York réintègre tous les employés qui ont été non vaccinés, qui ont été licenciés à cause de ça. On ordonne que soient payés leur salaire et les arriérés et déclare que l'État a violé les droits et a agi de manière arbitraire et capricieuse, ce sont les mots employés, qui note, je cite, « le fait d'être vacciné n'empêche pas un individu de contracter ou de transmettre le Covid, ça date du 26 octobre. » Là, c'est le suprême de New York qui réintègre ça. L'Italie met fin à l'obligation vaccinale pour les soignants. Et on a constaté en Australie que 17,1% on a 17,1% de surmortalité à ce premier semestre. C'est quand même pas une coïncidence. Et alors, toutes ces choses qui ressortent, on peut parler de ça et on ferme cette parenthèse sur les choses qui ressortent maintenant. Ça sera assez rapide. Donc, l'Italie, New York, il y a McKinsey. Vous avez entendu parler de ce cabinet de conseil McKinsey qu'on paye, selon les sources, 1 milliard d'euros par an ou 2 milliards, selon les sources. McKinsey, c'est un ami, celui qui a instauré ça, c'est Karim Tajeddin, qui est un ami de notre président. Alors, s'occuper de l'État en mode start-up, hein, l'État, c'est une start-up. Et voilà, et on vit en démocratie. Et on a un cabinet new-yorkais qui, en plus, a des problèmes. Il a des casseroles, hein, il traîne des casseroles. Voilà, ça ressort actuellement, on entend ça partout. Et Michèle Rivasi, je ne sais pas si vous voyez qui est Michèle Rivasi, elle est au département, elle est députée européenne, elle a cofondé la CRIRAD. Alors, les CRIRAD, ça veut dire la Commission de recherche et d'information indépendante pour la radioactivité, ça a été fondé après Tchernobyl. Et j'en parle parce que j'ai écrit 300 pages sur Tchernobyl. Presque très peu de temps après le truc, je suis allée chanter en Ukraine exprès pour aller sur place et rencontrer les gens. Je voulais descendre dans le réacteur, je n'ai pas pu. Alors, elle est écolo, elle est très critiquée, mais c'est un laboratoire indépendant qui fait des études claires et indépendantes. Et elle dénonce les contrats qui ont été faits entre Ursula von der Leyen et traités directement
avec les directeurs de labo. Les SMS ont été perdus. Quand on demande d'avoir les SMS, ont été perdus. Les contrats, les deux premiers contrats, c'était 4,5 millions de doses pour 71 milliards d'euros. Et ensuite, il y a eu un troisième contrat de 1,5 million de doses, je crois, je ne sais pas, je dois avoir les chiffres, 1,8 million de doses pour 35 millions d'euros, ça c'était Pfizer. Et alors, ces contrats, on n'y a pas accès. Tous ceux que la Commission européenne a traité, enfin, la directrice von der Leyen a traité ça. Les contrats, deux premiers contrats, on y a accès, mais ils sont par endroits noircis et biffés. Et le troisième, on n'y a pas accès. Donc, l'enquête du parquet européen conclut que Ursula von der Leyen a court-circuité les États membres. D'autant qu'on a obligé les États, la Pologne ne voulait plus en accès. Et les doses sont passées, en plus, ça je le dis dans le bouquin, de 15,50 euros à 19,50 euros. Ce qui fait, je crois, 35 millions d'euros, millions d'euros en plus, milliards d'euros en plus. Je suis fâchée avec les chiffres. Ça, c'est Rivasi. Et je termine avec Christian Perron, le professeur Perron, qui a été réhabilité. Alors, je vous cite, ça date du… Est-ce que ça va faire jurisprudence pour tous ceux qui ont été virés de la télé, des plateaux de télévision, hein, parce qu'ils n'avaient pas le bon… Ils n'étaient pas corrects politiquement ou, disons, sanitairement corrects. Le professeur Perron, quand même, un grand monsieur qui avait une voix discordante, mais qui n'a jamais changé. Alors, on dit qu'il remporte l'ensemble de ces procédures devant la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France de l'Ordre des médecins. C'était le 21 octobre dernier. Il vient d'écrire un bouquin qui s'appelle « 33 questions auxquelles ils n'ont pas toujours pas répondu ». Ça paraît intéressant, je ne l'ai pas lu. Et donc, la chambre disciplinaire considère qu'il avait l'obligation, contrairement à ce qu'on m'a dit, parce qu'il a parlé, il avait l'obligation de s'exprimer dans le domaine qui relève de sa compétence durant la crise du Covid. Donc, il a été réhabilité et maintenant, il nous dit qu'on ne connaît toujours pas la composition des vaccins. Il signale que le professeur Delfrécy, qui dirigeait le fameux conseil scientifique, qui prenait le pas sur le conseil des ministres, enfin, le conseil scientifique, Delfrécy, il a vacillé dans ses affirmations sur le vaccin, et 15 jours après la création du nouveau comité, Macron disait que le vaccin était parfait, et Delfrécy disait qu'aucune donnée ne prouve que le vaccin empêche la transmission, et il révèle qu'au cours du travail sur les femmes enceintes, sur 28 femmes enceintes qu'on a testées, qu'on a vaccinées, 27 ont fait une fausse couche, ça on ne le dit pas. Et en Israël, le professeur Cyril Cohen, qui était pour le vaccin, etc., dit en juillet 2022, pour le vaccin sur les enfants, il dit qu'au vu des succès pas terribles, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de les vacciner. Ce sont des choses qui ressortent maintenant. Alors, je dis que c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on va nous ressortir après sur les effets secondaires et sur toutes ces choses-là. Là, ça, c'est pour cette espèce de boîte noire qu'on ouvre et tout d'un coup, on en sort des trucs d'un chapeau, des choses que d'autres ont dit, que je disais déjà, dans le truc, pas moi qui l'ai inventé, je cite les gens, je suis allée voir lire le protocole de Pfizer, c'est intéressant de lire le protocole de Pfizer, c'est tout ça. Donc, la pandémie de Covid a creusé les inégalités, les conditions de confinement ne sont pas du tout les mêmes lorsqu'on habite dans 9 mètres carrés et puis lorsqu'on habite dans une résidence à la campagne ou au bord de mer. Et vous vous souvenez qu'un certain nombre de maires se sont inquiétés de voir arriver toutes les personnes qui avaient des résidences secondaires qui ont débarqué comme ça pour se mettre au vert, si je puis dire. On n'avait pas le droit de se promener sur les bords de mer, on n'avait pas le droit de se promener en montagne, on n'avait pas le droit de se… Moi, j'ai de la chance, j'ai un jardin, donc j'en ai pas souffert. Mais effectivement, les gens qui sont dans un tout petit appartement avec des enfants et qui sont coincés là, qu'est-ce que… Il y a eu une chose qui était extraordinaire, je ne sais pas où j'ai noté ça, c'était la nouvelle attestation. C'était un poème, cette nouvelle attestation. Où est-ce qu'elle est, qui disait, alors si vous prenez le chien, vous avez le droit de, ils l'ont arrêté tout de suite, hein, vous avez le droit de promener le chien pendant 10 minutes à 1 km autour de la maison,
Après vous, vous pouvez faire 10 kilomètres. Donc, vous sortez de chien, vous faites 10 kilomètres, vous revenez, etc. Enfin, c'était un poème, ce truc-là. Et ça faisait je ne sais plus combien de pages, 15 pages, je ne sais plus. Et si vous n'aviez pas d'ordinateur ou si votre imprimante était en panne, eh bien, il fallait chaque fois écrire les pages à la main, quoi. C'était la folie. On s'est fichu du monde avec ce truc-là. Je ne sais pas à combien ils se sont mis pour pondre cette chose, mais c'était quelque chose. Hein. Ouais. Et les gens ont suivi. Les gens n'allaient pas au-delà d'un kilomètre, ils n'allaient pas au-delà de ceci. Et puis, il y avait des peines de prison. Il y a des gens qui ont fait 2 mois de prison parce qu'ils n'avaient pas leur attestation ou qu'ils avaient dépassé la chose. Et là, certains, alors il y avait une les gens ne savaient pas ça. Si vous ne respectiez pas les consignes, vous pouviez faire de la prison. Si vous étiez en voiture, on vous retirait votre permis. Alors, aux piétons, qu'est-ce qu'on faisait? On les empêchait de marcher, on leur enlevait le permis de marcher. Enfin, ouais. C'était aberrant. Aberrant. Et pourtant, globalement, les populations ont été obéissantes, ont porté le masque, se sont fait vacciner. Comment analysez cette soumission, cette résignation? Ah oui, Castex a dit à un moment, les Français sont très raisonnables, ou je ne sais plus, on a envie de dire merci monsieur, ou merci papa. On a été raisonnable, on n'a pas été raisonnable, on a été dingue d'accepter ça. Vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire à des gens contre leur liberté essentielle, contre leur volonté, contre pas pouvoir faire les courses, pas pouvoir acheter et puis acheter du PQ à la place. Hein, c'est important. Ouais. Il y a des choses qui se sont révélées importantes quand même dans tout ça. En ce moment, en Chine, l'usine qui fabrique les iPhones est confinée. Et des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux ce week-end ont montré des dizaines de salariés, certains portant des valises, en train de s'enfuir du site de fabrication, en grimpant par-dessus les grillages, puis en marchant le long de la route pour rentrer chez eux à pied. Et la plus grande usine au monde de fabrication d'iPhone, qui est en Chine, comme je le disais, a promis mardi des bonus multipliés par 4 aux employés acceptant de rester sur place malgré le confinement lié à des cas de Covid. Ce qui veut dire que dans cette usine, les personnels, les travailleurs sont confinés, ne peuvent pas sortir, et que ceux qui acceptent volontairement de rester et de travailler dans l'usine voient leur bonus, dont leur rémunération, multipliée par 4. Mais oui, on manipule par le. C'est la carotte, hein. C'était la carotte et le bâton, plutôt. Hein. Si vous êtes sage, vous pourrez sortir à Noël. Si vous êtes et puis pas. Il y a eu des choses aberrantes. On a autorisé à un moment 30 personnes dans les lieux de culte, tout d'un coup. Mais 30 personnes, bon, tout le monde l'a dit, 30 personnes dans une cathédrale et 30 personnes dans une chapelle, ce n'est pas la même chose. 30 personnes dans une chapelle, on est comme ça. Dans une cathédrale, on a de la place. Alors. Et pendant ce temps, ce qui est formidable, on n'en parlait pas. Pendant ce temps, les gens étaient, après, on en a parlé un petit peu, mais les gens étaient dans le métro les uns contre les autres. Ça, c'était pas, vous pouviez pas, c'était la formule à l'intérieur, parce qu'après, il fallait plus rester confiné, c'était pas bon de rester à l'intérieur, ce qui est logique, hein, c'était le bon sens. Donc, tout ce qu'on avait fait, c'était inutile. C'était à l'intérieur, c'était Castex qui disait ça, à l'intérieur, je ne sais plus quoi, et à l'extérieur, je ne sais pas, bravo. Alors à ce moment-là, tout d'un coup, il fallait sortir, il fallait se confiner à l'extérieur, quoi. C'est parce qu'on respirait de l'air. Et puis on pouvait aller faire du ski. Au départ, on ne pouvait pas, mais quand on a pu faire du ski, c'était faire du ski, oui, mais pas prendre les tire-fesses ou les cabines. Mais dans le métro, oui. Enfin, mais c'est aberrant. Vous avez vu cette histoire de. Ils ont vu. En plein confinement, sur une plage, un parasol avec une femme sous le parasol. Ils ont envoyé un hélicoptère, vous vous rendez compte, pour une personne, l'essence, enfin le gasoil, je ne sais pas. Non. Ils ont envoyé quelqu'un. Alors, c'était une blague, on n'a jamais su qui l'avait fait. C'était un parasol, mais avec une poupée gonflable en dessous. Et ils ont déplacé un hélicoptère parce qu'il y avait une femme seule sur une plage qui était sortie, quoi. Il ne fallait pas. Et c'était une poupée gonflable. Je trouvais ça super, moi. Alors, vous parliez à l'instant des autorisations de sortie. Et pourquoi et comment la population a-t-elle été fichée? Qui a eu accès à ces certificats numériques? Ah ben, et vous posez une question importante, parce que qui a accès, même maintenant,
Que deviennent les données qui ont été prises pendant le tous anti-Covid et tout ça? Il y avait des données. On ne sait toujours pas ce qu'elles sont devenues. On nous avait dit qu'elles allaient être effacées, je ne sais plus, au bout de 3 mois, mais on n'en sait rien. C'est pareil, c'est le même problème. Tout ça, on ne sait pas. On ne saura peut-être jamais. Je voudrais vous trouver là. En tout cas, ce que je peux vous trouver, et ça, c'est très important, mais j'ai répondu à votre question parce que je pense toujours 3 trucs à la fois. Juste en partie, mais cherchez votre document et on reviendra. La nouvelle attestation, voilà. Alors, je disais, si je suivais les recommandations, j'étais autorisée, ce que je vous disais, mais à faire 1 km pour sortir le chien, ce que je disais tout à l'heure, motif 8, déplacement bref dans un rayon 1 km autour du domicile pour les besoins d'animaux de compagnie. Mais au motif 12, pour ma promenade personnelle, je pouvais aller dans un rayon de 10 km autour du domicile. Alors, si je résume, je sors le chien, comme je disais tout à l'heure, je fais 1 km. Quand il a fait son pipi, je ramène le chien, le pauvre. Puis, je peux faire, moi, 10 km pour m'aérer les méninges. C'est logique, tant pis pour le chien. Et si l'imprimante est en panne, comme je vous disais, j'écris les pages à la main chaque fois que je sors. Ça et ça, on a accepté. Alors, il y a eu aussi l'effet apéro. L'effet apéro, il fallait rentrer après, parce qu'on était autorisé à sortir jusqu'à 18h après. Hein, et parce que plus tard, c'était l'effet apéro. Mais alors, on prenait l'apéro à 4h, hein, on prenait l'apéro au moment du thé, ou alors on se regroupait tous chez les uns chez les autres, puis on s'entassait pour dormir, donc on se contaminait plus. Et alors après, il y a eu le tour des saucisses. Monsieur Castec a dit « pas de barbecue entre copains ». Et Attal a ajouté, nous ne devons pas inviter chez nous des personnes pour un dîner ni un déjeuner, alors on était bientôt privé de dessert, il ne fallait pas être plus de 6 à la maison. C'est-à-dire que si on était 7, c'est l'histoire de la boîte de petits pois, vous savez, avec la date de péremption. Qu'est-ce qui se passe pendant la nuit quand c'est passé à l'autre date? Eh bien là, on était 6, si on était 7, ça ne marchait pas. Bon, vous allez me dire, bien sûr, ce que je dis est idiot, parce qu'il faut bien, quand on fixe une limite, il faut bien… Enfin, vous rendez compte, 6 ou 7 à la maison. Si vous aviez 5 enfants et les grands-parents, ça ne marchait pas. Et... En France, le président Emmanuel Macron a utilisé un conseil de défense sanitaire pour gérer la pandémie. Ah oui. Est-ce que la mise en place de ce conseil de défense était justifiée? Et est-ce que l'absence de débat a été une atteinte à la démocratie? Ah oui, à mon avis, oui. Et ce conseil de défense, il a pris le pas sur le conseil des ministres. C'était quand même grave. Et de quel droit des politiques s'occupent de la santé, de la médecine? Ça, c'était le conseil sanitaire. Alors moi, j'en ai tout un chapitre, le fameux conseil de défense sanitaire. C'est Huxley donne à méditer. Pour lui, je cite, la dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, qu'on n'avait plus d'ailleurs, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Ça, on avait l'amour de la servitude, hein, d'une certaine manière. Alors, le conseil sanitaire, c'est comme le conseil de défense. C'était très limité. Hein, les gens qui étaient. Certains, les médecins y étaient parfois invités, mais pas tout le temps. Alors, ça, c'est une atteinte totale à la liberté. Alors, les médecins, ils avaient les mains et les poils liés, hein, n'en parlons pas. Mais ce conseil de défense sanitaire, là, je ne sais jamais son nom. C'est une honte. Alors ça, c'est une honte. Il a pris les décisions à la place des autres, à la place des députés, à la place des médecins, à la place de tout le monde. On était là, vous vous souvenez? On attendait M. Croque-Mort tous les soirs, M. Salomon, tous les soirs on attendait et on débitait des choses auxquelles les gens peut-être ne comprenaient rien. Enfin, ça a été une folie, ce truc-là. Et ça aussi, on l'a accepté. Là, on était chapeautés par ce truc-là. On était pieds et poings liés par cette chose-là. Et on attendait les soirs les infos. Ouais. Mais est-ce qu'on peut dire que les médias ont eu un rôle prédominant pendant toute cette période et continuent à avoir un rôle prédominant en organisant des émissions qui ont plus ou moins de qualité à la fois politique et scientifique.
Ah oui, qui ont plus ou moins de qualité, parce que je parlais du professeur Perron tout à l'heure, Montagnier et tant d'autres. Comment s'appelle cette femme? Je suis fâchée avec les noms, mais une femme, on l'a plus entendue. Toutes les voix discordantes, on ne les voyait plus sur les plateaux de télévision. Alors ça, c'est une monstruosité, parce que ce qui est intéressant dans une discussion, c'est d'avoir le pour et le contre. On peut avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord et qui dit pourquoi. Et après, on compte. Mais si on a une seule pensée, la pensée unique, pensée soi-disant médicalo-sanitaire, comme vous voudrez, c'était cette pensée-là unique. Il ne fallait avoir que ça et les autres, on les a éliminés. C'était de la censure, hein? C'était de la censure. Si Bette Diaye disait qu'il fallait trier les. J'ai plus la phrase en tête, je pourrais la retrouver. Il fallait trier les articles de presse. À un moment, alors la presse a réagi et très vite, mais ça avait commencé. On triait les trucs selon leur valeur, la valeur qu'on voulait bien leur donner, quoi. Comment vous expliquez que des journalistes de chaînes de télévision ou de radio se sont transformés en experts médicaux? Alors ça, je ne m'explique pas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose derrière, s'ils avaient des consignes ou pas, mais ils se transforment en experts de tout, hein. Actuellement, regardez avec la guerre en Ukraine. Et alors, ce qui est grave, hier soir, j'ai mis les infos comme ça en faisant autre chose. Et si vous prenez la une, la deux, si vous n'allez pas chercher autre chose, alors qu'il y a la guerre en Ukraine, qu'il y a des tas de problèmes, ils partent sur des petites choses, et comme ça, on brouille, on empêche la pensée, on empêche les gens de penser. Alors, il y a d'autres chaînes qui se fixent sur l'Ukraine, sur tout ça. Mais les journalistes, je ne sais pas. J'avais l'impression, pendant toute cette pandémie, j'avais l'impression, je me demandais s'ils n'étaient pas manipulés, eux aussi. On nous a bien manipulés, nous. On peut très bien avoir manipulé les journalistes, je ne sais pas. Mais c'était quand même incroyable. On a vu des gens, je dis Perron et les autres, j'oublie les noms, qui au début étaient là pour dire ben, on n'est pas d'accord, ça c'est pas vrai, etc. Tout d'un coup, on ne les a plus vus. Donc pourquoi? Pourquoi on n'a pas continuer à avoir cette voix discordante de gens, quand même. Perron, c'est pas lui qui a eu le Nobel de médecine, je crois que si, Oui. c'est un grand Oui. professeur infectiologue, Perron. Vous Mmh. vous rendez compte? Et ce monsieur-là, on l'a éjecté parce qu'il n'était pas d'accord, parce qu'il disait des choses qu'on va en découvrir de plus en plus, des choses comme ça maintenant. Donc, c'est qu'on parlait du télétravail tout à l'heure. Il y a la téléconsultation aussi. Alors, c'est intéressant, ça, la téléconsultation. Parce que c'est un virus pulmonaire. Enfin, c'est comment on vous ausculte en téléconsultation? Quand vous avez une bronchite, un machin, le médecin vous ausculte. Si vous, et là, comment on le fait? Par téléconsultation. Il y a fort longtemps, je m'intéressais à ce que l'on appelle l'archivage électronique, et les médecins, les radiologues, les pulmonologues, disaient, mais non, c'est juste pas possible d'utiliser ces technologies, parce que s'il y a 3 pixels en moins, ben ça veut dire qu'on envoie le patient au bloc opératoire. Donc les radiologues et les spécialistes sont toujours attachés à la radio argentique, parce que c'est celle qui offre la meilleure définition. Alors aujourd'hui, c'est moins vrai parce que les technologies ont avancé. Donc on obtient maintenant avec des appareils de radio numérique, notamment les scanners. On obtient des définitions qui sont bien, bien meilleures. Mais ceci étant, les scientifiques restent très partagés sur l'efficacité et surtout sur l'évolution et la mutation des virus. Et dans votre livre, vous citez Bruno Canard, qui est un Marseillais, responsable du laboratoire Oui. au CNRS à Marseille, qui, lui, regrette les restrictions des budgets qui ont été attribués à la recherche. Et lorsque je l'ai invité en 2019, il disait que si les budgets ne leur avaient pas été diminués de manière drastique, ils auraient eu les moyens de fournir les produits, en tous les cas les Des traitements? molécules permettant de mettre au point les vaccins.
Et même des traitements, on n'a pas parlé des traitements. Et il disait que dans son laboratoire, il y a les bases de données nécessaires, les compétences humaines, les savoir-faire, toutes les conditions sont réunies pour travailler sur les virus et en ce qui concerne ce laboratoire, sur les coronavirus, parce que là, on a fait des gorges chaudes à propos de la COVID-19, mais il y a plein de coronavirus dont on ne s'est pas du tout occupé, qui nous habitent depuis fort longtemps et qui ne nous dérangent pas. Et Bruno Canard explique très bien tout cela. Donc, c'est aussi ces restrictions budgétaires. Mais vous avez vu le laboratoire Pasteur à Lille, qui travaillait, je ne sais pas où ils en sont actuellement, sur un traitement. Ils n'avaient pas de fonds français et ils ont fait appel à des fonds étrangers. Mais votre Bruno Canard qui dit « plus le virus va rencontrer des défenses immunitaires, plus il sera amené à muter », c'est ce que dit le professeur Montagnier, parce que bon, c'est évident, vous donnez un vaccin contre le virus, qu'est-ce qu'il fait? Il contourne et puis il fait un variant. Il dit ça aussi, ce monsieur Canard. Je ne sais pas. Alors, j'ai un chapitre qui s'appelle la cnoquisation. C'est travailler à la conservation du malade. C'est Knock, Jules Romain. Vous avez sans doute lu ça quand vous étiez à l'école. Ah, alors ça, c'est mon téléphone fixe que je n'ai pas enlevé pour ne pas empêcher la communication. Ben, on va laisser sonner. Nous devons travailler à la conservation du malade. Mettre toute une population au lit, dit Jules Romain, pour voir. C'est ce qu'on a fait, on a mis pas au lit, mais une emprise donc sur les malades. C'est Jouvet qui avait interprété ça, ça vous chatouille, ça vous gratouille, hein, Jouvet. Et alors, on peut rire de ça, c'est bien le rire, c'est un exutoire. Si vous avez, alors, et ça, parallèlement, donc, la conservation du malade, pour pouvoir donner des médicaments, des vaccins. Alors, nous, on nous disait, si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade, mais j'étais morte de rire, moi. Si vous êtes de la toux, à la télé, on entendait ça. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade, faites attention. Mais on n'est pas idiot. Si on a de la toux et de la fièvre, on sait qu'on est malade. On appelle le médecin. Il fallait qu'on nous dise ça, mais on nous prend vraiment pour des imbéciles, quoi. Non seulement on nous infantilise, mais on nous prend pour des enfants, déjà au départ. Et si vous avez de la fièvre, vous êtes malade. L'Agence nationale pour la santé a lancé maintenant la campagne de vaccination antigrippale. Oui. Et donc, il faut faire les rappels de vaccins contre la COVID, qui sont largement recommandés, et puis aussi la vaccination antigrippale. On vous vaccine contre la grippe, souvenez-vous ce qu'on vous dit. Si vous êtes enrhumé, si vous avez une angine ou quelque chose comme ça, ne venez pas, attendez un petit peu. Or, qu'est-ce qui s'est passé pendant le virus, là? On nous a vaccinés, quoi qu'il arrive. Si on était enrhumé ou je ne sais pas quoi, si on ne le disait pas, ben on vaccinait, c'était très dangereux. Et il y a eu tout un problème aussi avec les vieux et les handicapés, le tri des malades, hein, ça a été terrible. Et ce qui a été le pire, ça a été de leur administrer du Rivotril, qui est un truc qu'on ne doit pas donner en cas de problème pulmonaire. C'était de l'euthanasie, hein, déguisée, qu'on le veuille ou non, cette histoire de truc avec les vieux. Les vieux, il y en a un qui disait, alors ça c'est... On va passer à des choses moins morbides. Juste ça, parce que ça, le docteur Laurent Alexandre, disait en septembre à M. Morandini, qui était outré, je ne suis pas Morandiniana, hein, mais bon, j'avais entendu, sur les personnes âgées, qu'il fallait tester le vaccin, tester, hein, c'est une citation, sur les personnes âgées qui n'ont qu'une espérance de vie résiduelle, c'est-à-dire les vieux, quick, il s'est excusé après ce monsieur. Vous vous rendez compte? Il fallait tester, ils ont servi de cobaye, les vieux, hein. C'est de toute façon les vieux maintenant, il faut les jeter à la poubelle. À 50 ans, on est vieux, on est foutu. Mais non, mais c'est vrai. Bon, vous vouliez passer à des choses plus drôles? Pas plus drôles, mais à d'autres choses, et notamment à tous ces événements, que ce soit la pandémie, mais aussi la rareté du gaz, puis bientôt le manque d'électricité. Vous voulez parler de la paupérisation de la France? Je veux parler, pour l'instant, des changements de comportement et des habitudes
les salles de cinéma, de théâtre, d'exposition ont perdu le public. Cette absence de fréquentation des lieux culturels est-elle réversible? Et surtout, comment changer, enfin, comment revenir à des habitudes culturelles? Alors là, vous touchez un point sensible pour moi, mais oui. je vais vous dire une chose, parenthèse, c'est que ça ne va pas s'arranger. Vous avez vu que c'est en 2024, les Jeux Olympiques, et on va supprimer des festivals et des tas de trucs culturels. Pourquoi? Parce que tu n'as pas assez de policiers pour ça. Les policiers vont être pour les Jeux Olympiques, donc on n'en aura pas assez pour les trucs. C'est en discussion là, hein. Il va y avoir des discussions avec les responsables culturels, etc. C'est-à-dire qu'on va peut-être supprimer le Festival d'Avignon, le Festival de Cannes, j'en sais rien, je ne connais pas les dates exactes des Jeux Olympiques, ça ne m'intéresse pas particulièrement. On va supprimer des choses de culture pour mettre la police aux Jeux Olympiques. Non mais c'est... Alors ça, moi j'ai bondi quand j'ai entendu ça. Et ça va dans votre sens, c'est-à-dire comment l'arranger? Avec ça, ça ne va pas s'arranger. Mais pour poursuivre à propos des Jeux Olympiques, puis on reviendra sur la culture juste après, 24 000 bénévoles vont être recrutés pour assurer diverses tâches dans le cadre de cette organisation. Et ce sont des bénévoles. Oui. Donc ces personnes-là ne vont pas être payées. Donc c'est du travail au noir. Ils vont prendre des vieux parce qu'ils ne travaillent pas, les vieux. Mais des jeunes vieux. Mais ils vont prendre des jeunes aussi. Il y a plein. Mais, je suis sûr qu'ils vont trouver 24 000 personnes qui ont des difficultés. Mais c'est quand même un vrai scandale. Au moment où il y a encore plein de personnes qui sont à la recherche de l'emploi, et compte tenu du budget des Jeux Olympiques, qui est de plusieurs milliards de dollars, c'est juste pas possible de faire travailler des gens pendant un mois sans les payer. C'est possible, c'est possible. Pourquoi? Parce que les Jeux Olympiques, c'est comme, je parlais du Festival d'Avignon, c'est pas. Vous prenez un jeune, par exemple, qui a envie de faire des choses, il se dit, je vais aller là-bas, je vais voir des matchs, je vais assister à des trucs gratuitement, etc. Quand on est jeune, on est prêt à ça. Donc, ils utilisent aussi ça, on utilise les gens, envie des gens de faire des choses, qui n'ont pas de sous pour y aller, payer les places, etc. Ils vont trouver. Sinon, que ces personnes-là qui vont être utilisées, elles n'auront aucune des manifestations, parce que ces personnes-là seront destinées à l'accueil, à canaliser les personnes qui vont voir les manifestations sportives. Oui, mais ils vont espérer en voir un petit bout, je suis sûr qu'ils vont trouver pour ça. Eh bien, espérons que ce soit vrai, mais moi je n'y crois pas. Donc, revenons à l'absence de fréquentation des lieux culturels. Et donc, cette situation est-elle réversible? Et si oui, comment y parvenir? Alors ça, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, ce que je constate, c'est que moi, je suis allée au théâtre deux ou trois fois parce qu'il y avait y a eu quelques représentations exceptionnelles pour la presse, pour les critiques, pour des pièces qui se joueraient après la pandémie, mais pour qu'on les voit avant. Donc, il ne s'est rien passé, on a été privé de théâtre, privé de cinéma, etc. Et le pire, c'est qu'on en a été privé, même quand c'était autorisé, qu'on laissait une place à droite, une place à gauche. Après, ça a été de nouveau supprimé, puis de nouveau, il y a eu les livres aussi, hein, les librairies, on passe. Comment revenir à ça? Je ne suis pas sûre qu'on puisse y arriver, parce que d'abord, toutes les petites compagnies qui ont chuté, qui n'ont pas pu passer le cap, elles ne reviendront pas. Quand on sait ce que ça coûte, quand vous allez, les petites compagnies qui font le festival off à Avignon, elles payent le théâtre et puis elles se remboursent sur les trucs. Je fais une parenthèse, mais elle sera très courte. Monsieur Macron, qui dit les choses à droite et à gauche n'importe comment, a dit, je ne sais plus à quelle date, que l'année prochaine, donc ça devait être en 2021, il a dû dire ça, ou fin 2020, l'année prochaine sera l'année de la gastronomie. Vous en avez entendu parler, vous, d'année de la gastronomie, et ça a fait une belle jambe aux petits commerçants, aux petits restaurateurs qui ont fermé boutique. Hein. C'est une parenthèse. Et pour la culture, c'est la même chose. Ceux qui ont fermé boutique, pour eux, c'est foutu, déjà. Et ça sera pas. Alors, ils vont peut-être se retrouver avec une autre compagnie ou essayer de raccrocher aux branches, parce que quand on fait ce métier-là, on a envie de le faire. Ils vont essayer. Mais tous n'y arriveront pas. Ça, c'est le premier point. Ensuite, alors, les grands théâtres comme la Comédie-Française, les grands subventionnés, ils s'en sortent toujours, même s'il y a du monde, mais même s'il n'y en a pas, ils s'en sortiront.
Les autres, je ne sais pas. Mon jugement est peut-être un peu faussé parce que comme je fais des critiques, je vais aux premières. Et un ami m'a fait remarquer fort justement que je disais que les salles étaient pleines, mais aux premières, elles sont pleines. Donc, mais il m'arrive de ne pas pouvoir aller aux premières et de décaler. Et je constate, par exemple, au théâtre de la Tempête, il y a toujours du monde. D'abord, c'est de grande qualité, des spectacles de qualité, et il y a toujours du monde. Il y a des théâtres comme ça, à l'Athénée, mais l'Athénée, c'est plus opéra maintenant. À l'Athénée, il y a du monde. Il y a des théâtres où il y a du monde, au théâtre de Poche, il y a du monde. Mais regardez bien les programmes des théâtres. Actuellement, il y a pléthore. D'abord parce que tous ceux qui n'ont pas pu jouer pendant la pandémie, ils se rattrapent comme ils peuvent. Mais ça joue peu de temps. Ils jouent peu de temps parce qu'ils ne peuvent pas, dans les petits théâtres, par exemple, ils ne peuvent pas s'offrir, payer la salle plus longtemps. Donc, il y a plein de spectacles qui sont très, très bien. Il y a un endroit au théâtre de l'Opprimé qui est un tout petit théâtre. Il se passe des choses très, très bien. Au théâtre, comment ça s'appelle, à l'Essaillon. Il y a des choses très très bien, mais ça dure 15 jours. C'est déjà pas mal quand ça dure 15 jours. Il y a de très belles choses. Alors, il y a le fameux Glenn Gould qui a joué au Lucernaire, j'allais dire à guichet fermé, non, mais c'est merveilleux. Il y a des choses comme ça qui attirent les gens. Le Lucernaire, ça marche. Il y a plein de choses. Mais tous les autres, je ne vois pas comment ils peuvent rattraper. C'est une question de C'est vraiment finances. Et plus une ça va, plus on rogne. La culture, c'est rogner les finances pour la culture. Donc, comment voulez-vous rattraper quand on a de moins en moins d'argent dans ce truc-là? Il faut un peu d'argent. Il y a des pièces merveilleuses qui se jouent avec peu de costumes, peu de trucs, là, comme du théâtre de tréteaux. Mais il faut quand même payer les comédiens, il faut quand même que tout ça vive. Et moi, je suis très pessimiste, hein. Pour poursuivre à propos des transformations, on ne se touche plus, on ne s'embrasse plus. Ah si, nous on s'embrasse maintenant. Moi j'embrasse. Mais vous avez raison, vous avez les gens qui sont. L'autre est devenu un danger. C'est ça. J'ai vu un jour, il n'y a pas si longtemps, j'ai dit on s'embrasse et la personne a fait ça. Vous vous rendez compte? Ça. Repousser. On repousse l'autre parce qu'il est devenu dangereux. Et ça, c'est très grave. Ça rejoint le confinement et tout ça. On manipule les gens quand on écarte, quand on empêche les contacts. On empêche l'amitié, on empêche la vie sociale, on empêche tout ça. Donc on s'écarte de l'autre. Alors moi j'embrasse, hein, et d'autres aussi. Mais vous avez raison, Bah, les gens pour ne se embrasser, touchent. il faut au moins être deux. Il faut être deux. Et Les gens ne se touchent pas, les gens vont vous quand même. savez que pendant toute cette période pandémique, les librairies n'ont jamais vendu autant de livres. Absolument. Bah forcément, les gens chez eux, ils s'ennuyaient, ils en avaient marre de voir Monsieur Croque-Mort, le professeur Salomon, à la place de ça, ils ouvraient un bouquin. Mais c'est vrai. Et on a vendu La Peste, beaucoup, hein. Et maintenant, on vend beaucoup Huxley et Orwell. Il paraît que les ventes ont doublé ou triplé. Mais l'histoire des livres, ça a été terrible. Parce que regardez, en temps normal, dans une librairie, il n'y a pas foule, il n'y a pas la queue. Donc on empêchait les gens d'aller dans une librairie à une ou deux personnes. On pouvait les faire attendre à la sortie, les faire rentrer un par un et puis aller acheter des bouquins. Non, on a fermé les librairies. Ça, ça correspond. C'est un auto-da-fé. C'est brûler la culture, c'est brûler les livres. Et alors après, les gens se sont rattrapés, hein. Effectivement, ils se sont mis. Est-ce qu'on peut dire que les mêmes méthodes de manipulation langagière, de langage totalitaire, sont utilisées encore aujourd'hui pour expliquer la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique, les difficultés d'approvisionnement en gaz et de production d'électricité? Je pense qu'il doit y avoir quelque chose de ça. Alors, le réchauffement climatique, moi, je commence à en avoir assez. Je suis d'accord, bien sûr, il y a un réchauffement, il y a un changement climatique. Mais il y en a eu d'autres. Hein, quand on nous dit, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, hein, attention. Quand on nous dit, par exemple, on n'a pas eu un truc, une telle température depuis 1958, ça veut dire qu'on l'a eu avant. Ou quand on dit, on n'a pas eu ça depuis qu'on prend des données. Donc, on a les données. Donc, avant les données, on ne sait pas. Et moi, je me suis baignée. À Dieppe, je crois, enfin par là, je ne sais plus en quelle année, c'était le 1er novembre, à la Toussaint. Je me suis baignée, et je ne me baigne pas dans l'eau froide, hein, je suis née au soleil, je me suis baignée, je n'étais pas la seule, donc il faisait chaud. Alors d'accord, il y a un problème climatique, mais maintenant, de toute façon, c'est très simple. Vous prenez les infos, vous avez le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine, on tourne autour de ça.
On peut se demander si, de la même manière qu'on nous a donné une pensée unique sur la santé pendant la pandémie, puisque tous ceux comme Perron qui disaient le contraire étaient éliminés, est-ce que maintenant on ne nous donne pas une pensée unique sur le climat, sur la guerre en Ukraine, sur le gaz et tout ça? Bon. Moi, je me dis aussi particulièrement sur l'essence, le pétrole, enfin le gaz et toutes ces choses-là. On sait que les réserves diminuent, ça c'est la nature, ça diminue. Est-ce qu'on n'utilise pas ce qui se passe actuellement avec la guerre pour nous obliger à diminuer la température, les voitures, ça devient la folie, la voiture. On veut des voitures électriques, on n'a plus d'électricité, on va construire des centrales nucléaires, ça va être fait dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, hein, ça ne se construit pas comme ça une centrale nucléaire. Et on a des voitures électriques, des trottinettes électriques, tout est électrique, et on ne va pas y arriver. Alors, on vous dit, baissez la température, attention aux lumières, attention à tout ça. À ce moment-là, on pourrait dire aux gens, on n'a pas besoin de dire qu'on manque d'essence, qu'on manque de ceci ou de cela, qu'on nous dise franchement les choses, c'est la même chose. Je pense que c'est un petit peu la même manière langagière de dire ou de ne pas dire la vérité. Je ne sais pas. Sur la guerre en Ukraine, je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. Moi, je suis comme vous, j'écoute les infos. Et je m'interroge. Je me dis, est-ce que ce qu'on nous dit là, c'est ça? Est-ce que ça, c'est vrai ou pas? Je suis allée en Ukraine. Hein, j'ai chanté en Ukraine, puisque quand j'écrivais sur Tchernobyl, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Oui, mais c'était la même chose. C'était la même chose. Est-ce qu'il s'agit d'ignorance, d'incompétence ou bien de mensonge, de manipulation? Ça, je ne suis pas fakir, je ne peux pas vous dire, mais je pense qu'il y a un peu de tout. Je pense qu'il y a un peu de tout et c'est facile, quand il y a un problème, de l'utiliser pour manipuler. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais ce problème, on l'utilise pour manipuler. Si on a manipulé les gens avec le virus, c'est parce qu'il y avait le virus. S'il n'y avait pas eu le virus, on n'aurait pas utilisé ça. Là, c'est la même chose. Il y a des problèmes de carburant, d'électricité, de machin. Et je pense que c'est facile de l'utiliser. On a ça sous la main, quoi. On s'en sert, à mon avis. Donc, il y a les deux. Il y a la vérité et il y a l'utilisation de cette vérité à des fins économiques, politiques, je ne sais pas. Et quand je vous disais que j'ai chanté en Ukraine, ce que je voulais aller dans le... C'était après Tchernobyl, donc je voulais aller dans le réacteur, etc. Et j'ai rencontré les gens, et à l'époque, ils avaient des problèmes avec les Russes, ils n'avaient plus de monnaie, les Russes leur serraient la vis, ils avaient des assignats, quoi, des espèces de billets qui ne fonctionnaient que dans le truc. Et je me souviens, mon mari qui m'accompagnait au piano a dit à l'interprète qui nous suivait partout, tu nous dis que avant vous alliez à la mer Noire vous baigner, que vous aviez ce qu'il fallait, etc. Alors maintenant, il n'y avait pas de beurre, il n'y avait pas de machin, ils étaient restreints surtout. Est-ce que tu ne regrettes pas? Et elle a dit, la liberté n'a pas de prix. J'ai entendu une Ukrainienne dire ça hier ou avant-hier. Là, on lui a dit, mais pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi c'est une jeune? Elle a dit, la liberté n'a pas de prix. C'est la liberté qui compte. Donc, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Maintenant, ouais, la manipulation... J'ai l'occasion d'interroger deux jeunes femmes russes il y a quelques mois. L'une musicienne, pianiste, et l'autre travaillant dans une usine. Et les deux avaient des réactions complètement opposées. Celle qui travaille dans une usine disait, moi je préférais le régime communiste, dans le régime de l'Union soviétique, parce que on était mal logé, mais on était logé, on était mal nourri, mais on était nourri, on n'en avait pas toujours le travail que l'on voulait, mais on avait du travail, etc., etc. Donc cette personne-là, travaillant dans une usine, regrettait le régime soviétique. Et à l'inverse, cette personne musicienne, pianiste, elle disait, mais oui, maintenant je peux jouer, je peux interpréter ce que je veux, et où je veux et quand je veux. Donc vraiment, les deux perceptions, les deux avis complètement différents de personnes du même âge. Oui, mais pas de la même...
Il y en avait une qui était dans la culture et l'autre qui était dans le concret, dans la vie à C'est l'usine, ça. je ne sais plus. Hein. Ce n'est pas la même chose. D'abord, on ne vit pas de la même manière, on n'a pas les mêmes moyens, même en Russie, hein, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes, peut-être les mêmes, on ne rencontre pas les mêmes personnes, on n'a pas les mêmes échanges. Donc, c'est intéressant. Mais la deuxième réagissait comme me disait mon interprète en Ukraine. La liberté n'a pas de prix, quoi. Je crois que c'est ça qui fait la force des Ukrainiens actuellement. C'est pour ça qu'ils s'accrochent tellement, parce qu'ils veulent leur liberté. Ouais. Alors après, ce qu'il peut y avoir derrière, ça, je sais pas, c'est pas mon domaine, je sais pas du tout. Mais je suis comme vous, je m'interroge, hein, Ouais. surtout. D'après vous, est-ce que nous devons nous attendre à nous habituer à un langage totalitaire politico-médiatique? Mais on y est déjà. On y est déjà. Alors, totalitaire, il ne faut pas dire ça, hein, on se fait taper sur les doigts. Mais c'est de cet ordre-là. C'est de cet ordre-là. On peut nous faire croire ce qu'on veut nous faire croire. Il faut être très vigilant et je crois que ce qui est important, c'est ce que j'ai essayé de faire quand j'ai écrit ce bouquin, c'est d'aller chercher des sources différentes. Quand je vous dis que j'ai écouté monsieur Fischer, il s'appelle comme moi en plus, parce que ça c'est très important, je ne vous l'ai pas dit ça, mais je vais vous le dire après. J'ai écouté ce monsieur vaccin, j'ai écouté Perron que j'allais chercher par Internet, qu'on n'entendait pas. Il faut multiplier les sources. Quand on vous dit qu'on va créer des fichiers, on avait créé des brigades, ce n'est pas totalitaire comme mot ça? Brigade, c'est ça, ça, ça. Et on voulait aller chercher les gens chez eux. Moi, ça me rappelle les Juifs pendant la guerre, hein, qu'on allait les chercher chez eux pour aller les déporter. Ça, alors, j'exagère, mais c'est ça, c'est une violation des droits de l'homme. Mais je vais vous. Oui, alors, il y a un truc, c'est intéressant. Le conseil tenu par les rats, La Fontaine. Mais un jour, dans notre vie. Non, non, c'est pas ça. Où est-ce qu'il est, La Fontaine? Je le trouve. Voilà. Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, plutôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard, c'était le chat. Qu'ainsi, quand il irait en guerre, de sa marche avertie, il s'enfuirait sous terre, qu'il n'y avait que ce moyen, masque et tout ça. Hein. Donc, à Taïwan, il y avait une application qui faisait un signal sonore dès que vous approchiez quelqu'un qui était. Et c'était les lépreux autrefois. Ils avaient une cloche pour. Ben, nous, c'était pareil. Il fallait. Alors, ce que je veux vous trouver. C'est la censure de Madame Sibeth Diaye qui disait tout à l'heure qu'il fallait trier les articles de presse, juger sûr et vérifier. La presse a vite réagi hein, contre ça. Mais ce n'est pas ça que je veux vous dire. Ce n'est pas vraiment un exemple à retenir. Oui, ça c'est intéressant aussi. Tout ça, ça va dans le sens que vous dites. Alfred Sauvy, qui avait raison, il disait « Personne n'ose chercher la vérité. Ceux qui cependant la cherchent n'osent la trouver. » Et ceux qui la trouvent n'osent pas la dire. Ceux qui la disent ne sont pas écoutés. Et Camus, de compléter d'une certaine manière, mais il vient toujours une heure dans l'histoire où celui qui ose dire que 2 et 2 font 4 est puni de mort. L'instituteur le sait bien et la question n'est pas de savoir quelle est la récompense ou la punition qu'il y a dans ce raisonnement. La question est de savoir si 2 et 2, oui ou non, font 4. Ce que dit Perron et ce que disait Montaigne, hein, il disait que 2 et 2 font 4. Et donc j'y suis puisque je passe. Il y avait un otorhino qui disait « Dans mon cabinet, toutes les rhinopharyngites que j'aurais étiquetées rhinopharyngites les années précédentes, je les étiquette Covid. » C'est le docteur Ben Sadoun qui disait ça en octobre 2020. Ça va dans le même sens. Hein, c'est pas... Et alors, ce que on va continuer sur... Non, mais je vais vous lire Fischer quand même, parce que ça, c'est important. On le dira, enfin, vous le direz après. Dans quelques instants. Mais moi, je voudrais poursuivre sur les transformations que nous sommes en train de connaître. Donc, on a connu la violence d'État à propos des Gilets jaunes, avec des mobilisations policières très très importantes. C'était ce week-end la violence, enfin la mobilisation encore une fois policière qui s'est rassemblée à propos de l'occupation écologique dans cette zone où sont
ou sont en projet, mais aussi au moins une qui a été réalisée, sont prévues la construction de méga-bassines pour stocker de l'eau. Tout à fait récemment, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui parlait toujours à propos de ce rassemblement écologique, qui parlait d'éco-terrorisme, est-ce que nous ne sommes pas, là encore, dans une escalade de la violence, et j'allais dire de la violence d'État? Oui, violence d'État, et en même temps, cette histoire je dis les piscines, là, comment vous dites les... Des méga-bassines. Les méga-bassines. Je réfléchis à ça depuis 2 jours parce que bon, la violence, je suis d'accord avec vous. Et sur le fond, je crois que ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir un vrai débat là-dessus. Parce que si les agriculteurs n'ont pas d'eau pour cultiver, on n'aura plus rien à manger. Hein. Donc, est-ce que c'est raisonnable ou pas? Ou est-ce que c'est raisonnable de les faire là ou de les faire ailleurs, etc. Établir avoir une réflexion là-dessus avec les gens, qu'il y ait des gens qui pensent à ça, au lieu de faire, par exemple, des manifs ou d'envoyer les flics les deux côtés. Je trouve que ça, c'est inutile. Il faudrait en discuter avec les acteurs de ça et avec les agriculteurs, avec les gens du coin, avec tout ça. Parce que les gens du coin, en même temps, on va stocker de l'eau alors que les gens vont en manquer. Ça, mais il y a déjà de nombreuses études qui ont été réalisées et ces réserves d'eau n'intéresse que 7% des agriculteurs. Donc, quand on dit 7% des agriculteurs, ce sont les grosses exploitations qui vont être favorisées. Donc, on va léser les petits, si on fait ça. Au détriment de tous les petits agriculteurs qui sont exsangues et qui ont, depuis longtemps, une baisse de revenus absolument abominable. Et donc, on est toujours dans la même question de quelle société souhaitons-nous? Est-ce que c'est la société des puissants? Est-ce que c'est la société des riches? Ou est-ce que c'est la société de partage que nous avons envie de promouvoir? Et là encore, il me semble que les médias ont un rôle particulièrement important à jouer parce que ce sont eux qui transmettent l'information. Oui, absolument. Et je pense que, peut-être que je me trompe là, mais... Les hypermarchés, les supermarchés, tout ça, font beaucoup de mal. Et j'ai l'impression que ça... Ici, il y a un supermarché Carrefour, en dehors, enfin, dans la zone industrielle. Et ce supermarché, actuellement, c'est vide, hein, on ne fait pas la queue. Les gens vont de plus en plus chez les petits commerçants, chez les petites enseignes, les petites choses. Et ça, c'est bien. C'est bien parce que ça va dans votre sens. C'est-à-dire que si on supprime les grosses... enfin, on supprime, si elle se casse la figure, les grosses enseignes, ça va dans ce sens. Si on stocke l'eau pour les gros agriculteurs, c'est le même raisonnement. Ouais. Et il faut que les gens fassent vivre les petits agriculteurs, les petites... Mais je me demande toujours, il y a ici un agriculteur qui passe une fois par an pour vendre des pommes et des de terre, qui fait le tour. Mais si les agriculteurs, pourquoi les agriculteurs ne feraient pas, au lieu de faire des manifs où ils vendent le truc, ils n'ont pas le droit de le faire, mais une manif non plus, quelquefois, les vendre, faire des points de vente à des ronds-points où ils vendent le truc et ils récupèrent, eux, l'argent. Bah, On va envoyer les flics aussi, mais pareil que pour les manifs. Il y a de nombreuses initiatives qui vont dans ce sens, et notamment les AMAP, qui sont des associations pour le maintien de l'agriculture de proximité. Il n'y en a pas assez, il faudrait qu'ils se liguent plus. Mais il n'y en a pas assez, parce que c'est, pour qu'une AMAP se crée, il faut qu'il y ait des consommateurs, citoyens, acteurs, qui décident de créer une AMAP et qui décident de s'entendre avec un paysan. Moi, je crois que c'est comme ça. On ne peut pas demander à ces agriculteurs d'être... en même temps de travailler leur exploitation et d'être en même temps des marchandiseurs. Ce n'est pas leur métier. Non, mais ils pourraient se mettre ensemble pour faire par Internet ou par autre chose de la pub pour dire « venez chez moi, venez, on fait une vente tous les samedis, n'importe quoi, je suis sûre, moi j'irai. Moi j'irai. S'il y a un agriculteur dans le coin qui vend ses produits tous les samedis, j'y vais. Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Parce que vous avez des produits, vous savez d'où ils viennent, vous les payez moins cher. Et ça marche. Mais il ne faut pas vouloir forcément payer moins cher, il faut savoir
Il faut être sûr que Acheter ce des soit bonnes des bons choses, produits. acheter des bonnes choses en tout cas. Nous arrivons au terme de notre entretien. On est parti au-delà, là. Ouais. Et je rappelle le titre de votre livre, Démocratie et langage totalitaire. Crise sanitaire et dérive sémantique. C'est Merci chez l'Harmattan. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, bonne écriture. Merci. Et puis, à bientôt. À bientôt. Au revoir.